Donc en fait, le slam, c'est une activité, c'est pas un genre, c'est pas par exemple du rap ou de la musique classique, c'est une activité. Ça veut dire que des gens viennent dans un. Bon, souvent au début c'était dans des bars, mais ça peut être dans toutes sortes d'endroits. C'est prendre le micro pendant un temps déterminé, 3-5 minutes environ, pour que tout le monde puisse parler. Et donc, les gens viennent prendre la parole et s'expriment sans musique. Donc c'est les deux seules contraintes. Il y a un temps limité, il n'y a pas de musique. Après, au niveau du genre, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc ça peut être de la poésie classique, ça peut être un conte, ça peut être du rap, ça peut être. Il y a une totale liberté sur le genre. À l'heure de la grande rétrospective, c'est comme si nous avions suivi un chemin. Les mains plongées dans l'ombre, le cœur tourné vers le soleil. Au pays de toutes les catastrophes, quand un rien nous émerveille, nous tenons le langage vermeil qui coule comme le vin tiède, panse les plaies des vieux linceuls et réveille d'anciens dormeurs tous somnolents. Au commencement des temps était l'histoire. L'histoire qui décrivait les gens et les mondes à venir, qui était écrite dans l'histoire, et vous aussi, bien sûr. On pouvait parfois lire des fragments de l'histoire qui s'égaraient parmi les humains, mais personne ne comprenait vraiment. Mes soldats de papier, sagement alignés comme de beaux papillons brûlés, brandissent des flambeaux, allument les passions et amorcent des verbes mortels. Pour des livres, ils se battront. Pour des psaumes ou des versets, pour des nuits enflammées de théories éthyliques, où nous réveillerons le capital en main ou d'autres discours. Tous ces livres, nous les brûlerons. Ouais, votre spectacle, c'est plutôt bien, c'est original et tout ça, mais ça plombe à fond l'ambiance. Il faudrait un moment où on rigole. Parce que dans la vie, les gens, ils veulent un moment où on rigole. Vu que déjà, ils rigolent pas trop dans la leur, alors si en plus ils doivent pleurer sur celle des autres, ben ça les gonfle et c'est bien normal. Nous sommes les gens de l'ombre, nous sommes le plus grand nombre. Nous sommes la masse inerte et conditionnée. Nos lèvres sont cousues et nos tympans percés. Nos regards sont perdus et nos mains liées. Nous sommes les gens de l'ombre. Nous sommes le plus grand nombre. Nous sommes la masse inerte et conditionnée. Ce qu'on ne nomme plus, ce qu'on numérote. Dans nos jardins secrets, nous cultivons en paix des rêves multicolores et des envies d'aurore. Des rêves multicolores et des envies d'aurore. Dans le souffle du vent, ils marchent lentement. J'écris ma vie avec leur sang. Aux mille rêves de symphonie, les clin-clans s'écroulent les empires de papier loin d'une peut-être ville aux murs noirs froissés, où bruissent les grésillements des écrans qui s'éteignent. Tous les jours, tous les jours, à chaque instant, à chaque instant, chaque. Maintenant, je suis. Je suis. Voilà, merci tout le monde.